Comme d'habitude, réveil extrêmement matinal. On dirait que pour enjoy la Turquie et pour passer les meilleurs moments et profiter au maximum des activités, il faut se lever archi, archi tôt. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, on est là pour ça. Alors, première activité de la journée, petite balade super sympa, super romantique d'ailleurs, dans cette vieille décapotable, voiture très old school, j'aime trop le concept. Et on découvre tous les paysages aux alentours qui sont à couper le souffle. Franchement, c'est magnifique. Et là, nous sommes en route pour la première destination. Ouais, j'ai prévu le coup. J'ai squatté les deux robes de chambre de l'hôtel parce que je savais qu'il allait faire froid le matin. Ici, il fait très froid par contre. Jusqu'à temps que le soleil soit bien, bien, bien réveillé, il fait assez froid. Et je suis en tenue très légère en dessous. Moi, en fait, dans ma tête, quand tu me dis Turquie, genre Moyen-Orient, il fait chaud, tout ça. Et là, c'est la période de l'année où c'est la transition entre l'été et l'automne, donc il commence à faire. Il fait chaud en fait la journée, mais il commence à faire froid le soir. Donc c'est ça. Ça cache un peu mon swag, mais tout à l'heure, quand on va s'arrêter, j'aurai l'occasion d'enlever ma tenue d'Eskimo pour faire de belles photos. Non mais alors moi en pleine direction artistique de mes vidéos à donner des directives s'il te plaît. Scène 1, prise 2 and action! Plein désert. Ben, en fait, on est dans les Fairy Chimneys, donc de Love Valley. Mais c'est juste que les Turcs n'aiment pas qu'on appelle cet endroit Love Valley. Parce qu'en fait, les collines ressemblent à des pénis. Donc, du coup, ils n'aiment pas que les touristes appellent ça Love Valley. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on est en train d'arriver à l'endroit où on va faire le premier shoot. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser qu'on est déjà à la deuxième activité de la journée, à savoir ce photoshoot professionnel avec cet extraordinaire photographe que j'ai déniché sur Instagram. Pour shooter avec ce photographe, j'ai loué 4 robes différentes, donc on va faire 4 photoshoots dans 4 endroits différents. Et bien évidemment, à la fin de cette vidéo, je vous partagerai les plus belles photos qu'on a prises. Là, on est sur le lieu du deuxième photoshoot et franchement, c'était le photoshoot le plus extraordinaire de ma vie. Prendre des photos shootées comme ça en plein milieu d'une horde de chevaux, franchement, c'était un truc de malade. Évidemment, ce n'était pas des chevaux sauvages parce qu'ils appartiennent à un ranch, mais franchement, c'était un truc de fou. C'était vraiment impressionnant et c'était très exclusif, c'était très privé. Franchement, j'ai trop aimé et évidemment, je vous partagerai toutes les photos à la fin de la vidéo. We'll be right back.
Et pour finir cette journée en beauté, j'ai mangé une spécialité locale qu'on appelle en Turquie testi kebabi. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager tous ces bons moments avec vous. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me donner un pouce vers le haut si vous avez kiffé. Allez, à bientôt !